Bonjour, petit direct pour envoyer un message qui vient de me traverser l'esprit. Vous savez, moi, les idées, elles me viennent comme ça, tout d'un coup, comme des inspirations, et il faut que je les fasse. Alors, je travaille aujourd'hui, je m'apprête à aller, et pendant que j'étais en train de m'apprêter, j'ai eu l'idée, j'ai eu l'inspiration de faire cette vidéo. Je préfère faire des directs maintenant parce que j'ai un problème de téléchargement avec mon téléphone. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Alors, petit message rapide suivant une inspiration que je viens d'avoir. Le titre, c'est À toi qui as décidé de te dépigmenter. Je voudrais d'abord, avant de continuer, te dire que moi, je ne te jugerai pas. Je ne te jugerai pas. Mais seulement ce que je veux te dire, c'est que ceux qui te vendent le rêve, ceux qui te vendent les produits, ceux qui te vendent le faux, ne te rendent pas service. Ils te diront toujours que leurs produits à eux sont exceptionnels. Ils te diront toujours que leurs produits à eux n'ont pas d'effet secondaire. Mais laisse-moi te dire que tout ce qui n'est pas naturel a des effets secondaires, à moyen ou à long terme. Tu achètes des produits dont tu ne connais pas les ingrédients. Tu achètes des produits dont tu ne sais le modèle de fabrication. Et tu les appliques sur ta peau simplement par confiance en la personne qui te les a vendus. Mais la personne ne te dira jamais ce que tu vas avoir comme conséquence après. Parce que quand tu appliques des produits qui sont très dangereux, qui sont corrosifs, qui sont nocifs pour ta peau, tu t'exposes aux rayons du soleil. Tu es né sur un territoire qui a le soleil au zénith. C'est pourquoi ta peau est faite comme ça. La mélanine que tu as, qui fait que ta peau est noire. Même si tu es un peu plus clair que moi, tu es noir pareil. Nous sommes toutes noires. C'est le nom qu'on nous donne. Même si je suis plus clair, même si je suis plus foncé que toi tu es plus clair, tu es noir quand même. La mélanine que nous avons dans notre peau, dans notre corps, dans notre ADN, nous protège des rayons du soleil. Nous protège des intempéries. Nous protège de la vieillesse précoce. Quand tu appliques ces produits sur ton corps ou que tu les mets directement dans ton sang, tu brises ton corps. Tu brises ce que tu as gracieusement reçu. S'il te plaît, arrête. Je t'en prie. Arrête. Parce que quoi que tu fasses, tu seras toujours une noire. Tu seras toujours considérée comme une noire, parce que tu es une noire. Les effets secondaires de la dépigmentation sont réels et ils sont avérés, ma soeur, ma fille, ma maman. Reste toi-même et rends-toi belle avec ce que tu as de façon naturelle, s'il te plaît. C'est très sérieux et c'est très grave. C'est un sujet très sérieux, je t'en prie. Ne te laisse pas avoir par ces marchands, par ces charlatans qui te trompent, qui te font croire que plus tu es clair, plus tu es belle. Regarde-moi, je ne suis pas la plus belle de la planète, mais est-ce que je suis laide? Quand tu me regardes, est-ce que je suis laide? Il y a des femmes qui sont plus belles que moi, c'est vrai. Mais je ne peux pas être classée parmi les laides, malgré la couleur de ma peau. Je suis plus foncée que toi, mais quand tu me regardes, je t'en prie, c'est très sérieux et c'est très grave. N'écoute pas les gens qui te trompent. N'écoute pas ces sirènes qui vont te parler avec la voix douce et la voix mielleuse pour t'entraîner dans un chemin dans lequel tu vas te retrouver seul un jour. Et ce jour-là, ils viendront te dire que je t'ai pas obligé d'acheter mon produit. Je t'en prie. Il y a des choses qu'on peut rattraper, mais il y en a qu'on ne peut pas rattraper.
Tu as le temps de faire marche arrière. Fais-le, s'il te plaît. Tu as le temps de faire demi-tour. Arrête. L'argent que tu mets pour l'achat de ces produits, tu peux l'utiliser pour faire autre chose. Tu as des produits naturels que ton continent, ceux qui poussent sur ton continent, que tu peux utiliser pour être belle. Être belle, ce n'est pas être claire. Être belle, c'est être tel qu'on est, s'assumer et accepter ce qu'on est. C'est ça, être belle. Toutes les femmes sont belles. Tout le monde est beau. Mais il faut savoir utiliser les atouts que nous avons. Je t'en prie. Je t'en supplie. Si tu écoutes mon message, arrête de te dépigmenter. Arrête de te dépigmenter. Arrête de te dépigmenter. Arrête d'enrichir des gens qui te tuent. Arrête d'aller chercher la maladie gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est vrai que tu achètes. Mais si tu ne te décapes pas, tu ne vas pas avoir ces maladies-là. Parce que ces maladies-là, les conséquences sont sur ton foie, sur ton cerveau, sur tes reins, sur tes poumons, partout. Tu vas être belle pendant 5 ans. Et après, tu vas être belle comme tu veux pendant 5 ans. Et après, plus tu vas avancer dedans, plus tu seras obligé d'investir encore plus pour maintenir la couleur que tu auras eue. C'est plein d'argent que tu jettes par les fenêtres. Et c'est la mort que tu achètes comme ça, ma fille, ma soeur. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est un réel problème dans lequel nous sommes. Tu es belle, tu es noire, tu es foncée, tu es claire, tu es belle. La beauté n'est pas que physique. La beauté, ce n'est pas seulement l'extérieur. Est-ce que tu es douce? Est-ce que tu es gentille? Est-ce que tu es compatissante envers ceux qui ont des difficultés? Est-ce que tu partages? Ça aussi, c'est des beautés intérieures. La beauté n'est pas seulement physique. La beauté, ce n'est pas seulement le corps. La beauté, ce n'est pas seulement le beau visage avec un beau make-up que tu peux enlever quand tu te laves. Je t'en prie, écoute mon cri de cœur. Je t'en prie, arrête de te dépigmenter. Arrête de te tuer. Parce que la beauté physique, elle est éphémère. Dans 20 ans, je ne crois pas que je vais avoir le même visage que j'ai. C'est la beauté intérieure qu'il faut chercher. Tu es belle, que tu sois foncée, que tu sois comment, tu es belle. Assume-toi, accepte-toi que tel que tu es et prends cet argent que tu vas aller mettre dans les produits. Prends-le et investis-le ailleurs. S'il te plaît. C'est le message que j'avais envie de te donner. C'est l'inspiration que j'ai eue ce matin, que je voulais partager avec toi. Il n'est pas tard pour faire ma charrière. Il n'est pas tard. Je ne te juge pas. Je ne veux même pas te juger. Parce que tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Moi, j'en ai fait aussi un mois de ma vie. C'est vrai que je ne me suis pas dépigmenté, mais j'ai fait des erreurs dans le parcours de ma vie. Tout le monde en fait. Alors, si tu te rends compte que ce que tu es en train de faire te conduit à la mort, fais demi-tour. Les gens vont peut-être se moquer de toi, mais au moins tu auras la fierté d'avoir vaincu, d'avoir réussi à vaincre cette addiction. Parce que une fois que tu commences, tu ne peux plus arrêter. Tu deviens esclave du paraître. Je t'aime beaucoup sans te connaître. Je t'aime de toutes mes forces sans te connaître. Je t'aime de tout mon cœur sans te connaître. Et j'ai de la compassion pour toi. Et je veux t'apporter mes bras pour te serrer très fort contre moi et puis te dire que ce n'est pas grave. Fais marche arrière. Tu as encore le temps. Je t'aime très fort. Gros bisous à toi.